Bienvenue sur Five Star Tarot. Alors aujourd'hui, j'ai plein de remerciements à faire. Sylvie Lassalle, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie, merci beaucoup Sylvie. Il est où le trou là? Merci Sylvie pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Athéna, merci. Et oui, si je passe dans le sud de la France, je viens te voir. Odette Ouzli. Odette Ouzli, merci. Ouzli. Ouzli, Ouzli. Odette Ouzli, merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir, Odette. Merci. Merci, Odette Ouzli. Merci, Odette. Merci, Marie Daki, pour les 10. Merci, Dominique Comblain, pour les 17, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, Marie Daki, pour les 10. Merci, Dominique Comblain pour les 17, ça me fait extrêmement plaisir. Comblain ou Comblain? Enfin, merci. Merci, merci Dominique. Et Nat, merci pour le 77. 77, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci. Alex, merci pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir, Alex. Et ok, merci pour le petit message à propos de Vitalik Buterin, merci. C'est le fondateur de l'Ethereum, merci. Merci Sylvie, merci pour les 11-11. Et merci, merci. Merci. Il y a quelqu'un qui voulait être anonyme qui m'a envoyé aussi 70 et aussi Alex, merci, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Et la personne qui a été anonyme et qui m'a envoyé une grosse somme et qui m'a dit qu'elle voulait m'envoyer une somme pour tous ceux qui n'avaient pas les moyens de m'envoyer des sommes, elle voulait rester anonyme, je remercie cette personne. Merci, merci de tout cœur. Voilà. Salut toi, il y a un oiseau là. Donc, c'est un martin d'ailleurs, c'est un oiseau flamme jumelle des îles. Donc, enfin bref, mais en tout cas, merci beaucoup à la personne qui voulait rester anonyme et qui m'a envoyé un PayPal en disant que c'était pour toutes les personnes. Voilà, enfin, j'ai merci. Voilà. Et du coup, merci pour le 105. Hein. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui font des donations. Ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus et merci à ceux qui mettent des commentaires. Il va falloir que je réajuste bien la caméra là. Donc voilà, et surtout aujourd'hui, alors je vais vous mettre ça en lien sous la description. Mais je voulais remercier la créa de K. Regardez comme il est magnifique ce colis, quoi, en or. Merci la créa de K pour ça me fait extrêmement plaisir. Alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il faut que je m'imprègne des cartes. Mais après, je vais faire tous mes readings avec ces cartes. Voilà. Et merci, merci parce que c'est un jeu vraiment exceptionnel. Donc je vous referai voir, vous découvrirez les cartes avec moi, mais la créa de K. Et je vais vous mettre bien entendu son magnifique site internet sous la vidéo. Et c'est pour ça que je fais une 12 sign reading ce soir. C'est en l'honneur de la créa de K. Voilà. C'est pour ça que je fais un 12 sign ce soir, parce que je voulais qu'un maximum de monde puisse voir cette vidéo. Donc voilà. Merci à la créa de K. Voilà. Et je renverrai un petit mot personnellement. Merci. Regardez comment c'est magnifique. Regardez ça. Waouh. Magnifique. Avec le K, en fait. C'est vraiment magnifique. Hein. Toulouloutou. Ça me fait vraiment super plaisir. Hein. Ça me fait vraiment super plaisir. Voilà. Ah, il a bien été attaché. Hein, il a bien été attaché. Bon, ben ça, je vais le garder. K, en plus, K, c'est comme Krishnamurti. Donc, ça, je vais vraiment le garder. Ça, c'est clair et net. Ça fait beaucoup de cadeaux, hein, beaucoup de PayPal, hein, 100 euros, 77 euros, 5 euros, 70, 5, 10, 15, 20, 17, 5.
De 1, 50 centimes, merci. D'accord, mais ça me fait extrêmement plaisir. C'est quand même beaucoup de belles énergies qui viennent à moi ce soir. Ça me fait de la part de l'univers et regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment super bien fait. Donc, merci à la créa de K. Je vous mets le site, le lien dessous. Hein. Je vous mets le lien dessous. Bon, pour l'instant, je fais très attention à ne pas abîmer le papier cadeau. Mais. Waouh! Oh! Déchire. Regardez ça comme il déchire. Tarot de la femme moderne. Ben, ça tombe bien parce que je suis une divine impératrice. 78 cartes. Parfait ça. Livret explicatif et téléchargeable. Tarot de la femme moderne. Oh putain, à mon avis, celui-là, il va vous plaire grave. Hein. En plus, je ne sais pas si c'est toi, la femme que tu as choisie dessus là, mais en tout cas, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. Et même si c'est pas toi, tu es magnifique de toute façon. Le tarot de la femme moderne est composé de 78 cartes qui sont représentées en majeure partie par des personnages féminins, réalisés sur la base du tarot Rider-Waite. Wow! Il est à la fois moderne dans les illustrations et garde une ligne conductrice de l'aspect visuel du tarot traditionnel. Laissez votre intuition vous guider à travers cet univers en vous appuyant au besoin du livret explicatif. Putain, mais là, je sens qu'il va faire péter ma tête, quoi! Waouh, waouh. Putain, ça sent bon. Exemplaire. Wouhou! Exemplaire numéro 28 sur 50. Waouh. Excellent. Ça veut dire qu'il n'y en a que 50 au monde. Wouh! Excellent. Un beau. Bon, alors, par contre, j'ai un message derrière et celui-là, j'aimerais le garder pour moi. Hein. Merci, merci, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très, très, très ému, hein, très ému, hein. Vraiment très, très ému, hein. Vous découvrirez les cartes en même temps, vous découvrirez les cartes en même temps, mais c'est vraiment extraordinaire. Regardez le fou, comment il déchire, quoi. Il déchire quoi. En plus, ça fait vraiment très moderne. Hein. Regardez le magicien comme il est extraordinaire. Là, c'est pas le magicien qui vient manipuler. Hein. Là, c'est vraiment le magicien qui a vraiment tous les atouts. C'est vraiment autre chose en fait. Hein. C'est vraiment très moderne. Et je pense que pour quelqu'un qui a une vision du Rider-Waite, en plus, c'est noté 1, 2, 3, 4 et tout, la grande prêtresse. Regardez-moi ça si c'est magnifique. Je vais pas toutes les faire voir parce que vous les découvrirez avec moi, mais je vous fais voir quelques arcanes. Regardez l'impératrice. L'impératrice, regardez ça. Regardez comme c'est magnifique, quoi. En plus, il n'y en a que 50 exemplaires. Regardez l'empereur comme il déchire, quoi. Putain, il déchire. J'adore, j'adore. Franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, mais c'est d'une puissance, quoi. Le hiérophante. Regardez le hiérophante comme il déchire, quoi. Ah ouais. Franchement, ça c'est le tarot qu'il faut que j'utilise. Regardez comment il déchire, quoi. Il est magnifique ce tarot. Je sais qu'il y a des chaînes internationales qui regardent ce tarot, mais bon, c'est des chaînes américaines et tout ça. Mais bon, j'espère qu'il y aura des commandes qui vont être faites. Hein. L'amoureux, regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Fantastique. J'aime énormément, énormément. Le chariot, incroyable. En plus, elle ne tient pas les rênes du chariot, donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Les guides me disent que tu pourrais très bien faire la guidance avec ce soir, hein, carrément. Mais vous savez quoi, en fait, je vais trop le faire, la guidance avec ce soir, quoi. La force, regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable.
L'ermite, fantastique, mais c'est trop puissant. Non, je peux pas le faire parce qu'il y aura trop d'émotions et je vais foirer mon reading. Il faut que je sois détaché des émotions. La roue de fortune, regardez comment c'est incroyable. La justice. Bon, il va falloir que... Putain, il va falloir que je m'imprègne de toutes les cartes. En plus, si c'est un jeu à édition limitée, bon, là, il va falloir vraiment que je prenne mon temps de regarder ça. Mais bon, en tout cas, waouh, c'est vraiment... j'allais dire que c'est le plus beau cadeau. Merci. Je ne vais pas dire que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, mais j'ai presque l'impression que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Enfin, je vous remercie. Enfin, je remercie Kay, je te remercie, Kay. Merci Karen. Merci Karen. Merci Karen. C'est un très joli nom, Karen, en plus. Merci Karen. Ouais, Karen. Alors, Karen, si jamais tu veux venir me voir sur Instagram, Five Star Tarot, Five Star Tarot Instagram, je mettrai dessous, je le mets souvent. Si tu veux un reading particulier pour toi, quand tu veux, je te l'offre, Karen. Hein. Tu as le droit à un reading particulier. Je peux te faire les 12 maisons. Si tu as des questions, tu me poses les questions autant de fois que tu veux. Je poserai la question au guide et je te répondrai du plus sérieux du monde. C'est la seule chose que je peux faire pour toi, Karen. Et je te remercie. C'est vraiment un très beau cadeau. Et je pense que mes guidances vont devenir. Mais ça, je vais pas pouvoir. Je vais pas les faire. Je vais pas les fliquer, celle-là. Je vais pas. Celle-là, je vais les traiter d'une façon différente, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je sens une puissance dans ce jeu-là, là. Donc, mais vraiment fantastique, fantastique. Ah, et d'ailleurs, je vais prendre une apophyllite, je pense. Voilà. Qui a des reflets bleus et des reflets orange. Et ce sera donc la pierre, en fait, que je vais offrir. C'est la pierre que je vais offrir à ton jeu, en fait. Donc voilà, c'est la pierre. C'est la pierre. C'est la pierre que j'offre à ton jeu, qui va très bien avec ton jeu. Donc voilà, c'est ça. Donc je te remercie. Donc c'est là et ça fait partie de ma collection et je vais l'utiliser très très souvent. Bon voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Cette pierre-là, elle avait personne. Je voulais pas la mettre avec aucun jeu parce qu'elle avait une signification particulière pour moi, mais finalement, ce sera la pierre qui ira avec ton jeu. Il va falloir que je trouve un autre angle de caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Vous êtes de plus en plus à me demander ça, peut-être parce que vous en avez marre de voir ma tronche. Et c'est ce que je vais faire. Et je voulais vous dire aussi... Ah oui, alors c'est quoi le pet reading avant que je commence? C'est quoi le pet reading? Alors, ce sont vos animaux de compagnie, parce que comme ça me permettra de mieux connaître mon collectif. Je ne vais pas faire ça, je vais en fait traduire vos pensées animales en pensées humaines. Hein, donc ce ne sera pas... Ce ne sera pas miaou, je veux des croquettes, machin. Non, non, c'est vraiment ce que votre animal pense de vous. Ce que vos animaux domestiques pensent de vous. Vos animaux domestiques qui sont avec vous à longueur de journée, donc qui vous connaissent mieux que personne quand le mari ou madame n'est pas là. Donc je pense qu'on va bien se marrer ce soir. J'étais aussi un peu inspiré de Spiraline qui a fait un tarot humoristique apocalyptique. Donc moi, je vais vous faire les 12 signes avec les animaux. Mais par contre, c'est du très sérieux, c'est-à-dire que je vais vraiment demander au guide de me dire ce que vos animaux de compagnie pensent de vous. Et on va faire les 12 signes ce soir en l'honneur de Karen. Mais c'est très sérieux et je pense que ça va donner des choses vraiment bien et je pense que ça va vous amener aussi à réfléchir. Donc voilà, je vais utiliser pas mal de tarots. Je vais utiliser le tarot du Mystical Moment et je vais utiliser le tarot du corbeau pour confirmer. Donc voilà. Ok, bah c'est bon, bah je vais envoyer les 12 readings. Et c'est vraiment extraordinaire. Franchement, ça me fait super plaisir. Je vous laisserai mettre le timestamp, s'il vous plaît, comme d'habitude. Vous voyez, vous me mettez le timestamp, les abonnés. Vous allez dans le truc en bas, vous êtes en train de me mettre le timestamp. Vous me mettez à chaque fois Vierge, Taureau, Verseau, Lion, tout ça. Et vous me mettez. Merci à Sylvie d'avoir fait le timestamp entièrement la dernière fois. T'as oublié le collectif, Sylvie, mais c'est pas grave. Merci de l'avoir fait. J'aurais dû le faire, je sais. Mais voilà, vous faites ça pour moi. Ben, résultat, je vous fais 12 readings d'affilée à la suite. Et parce que, en fait, vous m'aidez. Donc, vous m'aidez, vous m'enlevez du travail. Et ben, moi, je reviens pour des grosses vidéos tous les soirs s'il faut. Et je vous trouve des. Après, on va commencer la grosse saison Flamme Jumelle aussi. Où là, on va essayer de déterminer qui est le runner, qui est le. On va faire la Là, j'allais dire le thème astral en fait de ce couple femme jumelle. On va essayer de déceler. Bon, voilà. J'ai déjà expliqué sur les anciennes vidéos, mais ça va être une grosse saison flamme jumelle. Mais là, ce soir,
une petite vidéo légère avant de commencer la grosse saison Flamme Jumelle. Et c'est parti alors, je tape parce que je veux pas me tromper, hein, en oublier. Moi je m'en fiche, j'ai pas besoin de paraître machin, hein, donc. Comme ça, je regarderai vraiment dans l'ordre. Alors, il faut que je m'en trouve un qui est dans l'ordre, puis ce sera celui-là. Voilà, c'est celui-là que j'avais trouvé la dernière fois. Voilà. Comme ça, je fais tous les signes dans l'ordre et comme ça, j'en oublie pas. Voilà. Alors, je les mets juste là devant moi, comme ça, j'ai tous les. Ok, ben c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les 12 signes. Donc ce soir, c'est qu'est-ce que votre animal de compagnie pense de vous? What is your pet's thinking about you? C'est parti. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Allez, cutting the deck for Aries. Et c'est parti. Cutting the deck for Bélier. Les guides, vous êtes là. Les guides me disent, ouais, c'est chaud et le thème est sympa. Génial, top. Ils sont toujours partants pour toute façon. La créa de cas, je vais vraiment mettre ça en lien dessous, donc n'hésitez pas à commander ces tarots parce qu'ils sont vraiment incroyables et c'est une artiste française, donc il faut vraiment la mettre en avant, il faut vraiment la mettre en l'air. Il n'y a aucune raison que ce soit les tarots industriels qui aient la main sur des artistes, des vrais artistes qui se donnent la peine de réaliser. Bientôt il y aura Sylvie aussi, il y aura Nathalie, pardon, Nathalie qui va faire son jeu et tout ça, donc il faut vraiment aider ces artistes. Donc, même si jamais vous voulez un tarot de collection, il vous faut ce tarot dans la collection. Donc, n'hésitez pas à le commander. Commandez-le même, je pense que c'est très bien. Et n'oubliez pas que ce sont des artistes qui travaillent très dur. Donc, il faut les récompenser. Donc, commandez leur jeu de tarot pour en avoir un, pour les aider, pour leur donner envie de continuer tout ça. Et dites-vous bien que si jamais vous les aidez, ben, ils auront encore plus de là. J'allais dire de la foi et de la passion de continuer, en fait, exactement comme vous faites pour moi, en fait, hein, exactement. C'est vous qui me donnez la passion, hein, parce que vous êtes un collectif vraiment en or. Hein. Avec vous, j'ai déjà l'impression d'avoir un million. Avec vous, j'ai déjà l'impression d'avoir un million. J'ai déjà atteint mes millions d'abonnés, en fait. J'ai dit que mon but, c'était d'avoir un million d'abonnés, mais ça y est, je les ai déjà avec vous. Parce que vous êtes vraiment extraordinaire et que vous me respectez et m'acceptez comme je suis, même si j'ai un sale caractère. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je change beaucoup grâce à vous, hein. C'est parce qu'en fait, vous m'apprenez aussi l'humilité, vous m'apprenez à changer, à faire attention. Avant, vous vous rappelez, je crachais à terre, je me mouchais, je disais des grossièretés, je jurais tout le monde et tout ça. Et là, maintenant, j'ai vraiment changé. Hein, j'ai vraiment changé et c'est grâce à vous, en fait. C'est vraiment grâce à vous et tout l'amour que vous m'apportez, en fait. Et voilà. Au début, j'ai commencé ça, c'était thérapeutique et maintenant, j'ai plus aucune rancune dans le passé. Et je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien et j'avance et je suis très heureux d'être avec vous, donc c'est vraiment génial. Vous êtes vraiment un collectif de la mort et merci en tout cas, merci à vous. Merci. Allez, les béliers. Message pour mes amis béliers, s'il vous plaît, mes guides. Message pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Alors, les béliers. What is your pet thinking about you? Alors, j'ai l'impression que en ce moment que vous ayez un animal de compagnie ou plusieurs, mais j'ai l'impression que, alors les béliers, j'ai l'impression que vos animaux, enfin, on va dire your pet, votre animal de compagnie ou votre chat ou votre chien, on va dire your pet, hein, je vais dire pet, hein, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils vous voient très occupé en ce moment. J'ai l'impression qu'ils vous voient très occupé en ce moment à votre réalisation et ils se sentent un peu délaissés. Ils se sentent un peu délaissés par rapport à vous et ils savent aussi. Bon, je vais dire il ou elle, hein, s'il y a plusieurs, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'ils savent que. Bon, il y a énormément de sentiments pour vous, mais en même temps, j'ai l'impression que. Comme il y a une espèce de séparation en ce moment, ou que vous êtes un peu en froid, ou que vos animaux voient que vous êtes très occupés, j'ai l'impression que vos animaux, en fait,
Your pets, en fait, c'est comme si en fait il y avait une sorte d'ignorance, en fait, comme s'ils essayaient de vous ignorer. J'ai l'impression qu'ils ne vous parlent plus, en fait. J'ai l'impression que votre chat ou vos chiens, j'ai l'impression qu'ils vous font la gueule, les béliers, en ce moment. Et vous, j'ai l'impression que vous voudriez vous occuper d'eux en ce moment. Mais c'est parce que vous êtes vraiment très occupé et que vous avez autre chose. J'ai l'impression que vous êtes préoccupé là-dedans. Et j'ai l'impression que ça se ressent au niveau de vos animaux de compagnie. Par contre, vos animaux savent que vous tenez à eux. Hein. Vos animaux de compagnie, ils savent que vous tenez à eux. Et j'ai l'impression qu'ils vous voient aussi en train de vous réaliser. Ils vous voient aussi en train de faire quelque chose pour pouvoir. J'allais dire pour pouvoir avancer dans la vie. Ils savent que vous êtes en pleine réalisation, donc j'ai l'impression que vos animaux de compagnie ne vous en veulent pas. Mais aussi, j'ai l'impression qu'ils s'inquiètent à propos d'un pseudo déménagement parce qu'ils vous voient un peu agité. Et ils ont peur que tout d'un coup vous vous réveilliez et que vous décidiez de. Mais bon, vos animaux savent que vous tenez à eux. Hein. Donc ils sont pas plus stressés que ça, mais j'ai l'impression que ils sentent quand même que c'est un peu tendu en ce moment. Ils vous voient vraiment très occupés, ils vous voient tendus, ils vous voient motivés aussi, vos animaux de compagnie. Donc c'est plutôt pas mal en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que vos animaux de compagnie, en fait, vous prennent pas en... J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup ils se disent, bon, bah, un peu comme si vous étiez leurs enfants, en fait. Ils se disent, bon, bah, c'est nos maîtres, hein, c'est eux qui nous nourrissent et tout ça, mais j'ai l'impression... Et c'est comme si, en fait, vos animaux de compagnie arrivaient à sentir, pardon, qu'il y a quelque chose de bon qui allait arriver pour vous. Et donc, ils ne se prennent pas la tête par rapport à ça, vous voyez. J'ai l'impression que vos animaux de compagnie aussi ne cherchent pas à comprendre ce par quoi vous êtes. Ils ressentent, en fait, ils ressentent instinctivement que vous êtes en train de vivre ça. Que vous êtes en train de vivre ça. Même si vous ne leur parlez pas en ce moment et que vous les mettez un peu de côté et tout, ils ne vous en veulent pas plus que ça. En fait, j'ai quand même l'impression qu'ils se sentent un peu délaissés, mais ils savent que vous allez revenir vers eux en temps et en heure. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'air d'être plus inquiets que ça. Mais en tout cas, vos animaux de compagnie savent que vous les aimez et que vous êtes là pour eux, mes amis béliers. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais en stock pour vous. Est-ce qu'il y a vraiment une carte que je peux. Est-ce que je peux. Il y a vraiment une carte que je peux clarifier là? Est-ce qu'il y a vraiment une carte que je peux clarifier? C'est quoi ce Page of Wands in Reverse là? C'est quoi ce Page of Wands in Reverse là? J'aimerais bien savoir c'est quoi ce Page of Wands in Reverse là. J'ai l'impression que vos animaux de compagnie voient que vous vous êtes détaché de quelque chose et que vous n'êtes plus. Peut-être qu'avant, vos animaux de compagnie vous voyaient en train d'attendre un texto ou vous voyaient en train d'attendre. C'est un peu comme des caméras qu'il y a chez vous en fait. Hein. C'est un peu comme des caméras qu'il y a chez vous. Donc ils savent absolument tout de vous. Et j'ai l'impression que peut-être que vos animaux de compagnie voyaient comme si vous étiez, par exemple, avant il y avait le téléphone qui sonnait et vous vous sautiez sur le téléphone, genre putain, ça y est, est-ce qu'il m'a envoyé un message? Est-ce que quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vos animaux de compagnie voient que vous êtes plus détendu par rapport à ça. Ben, j'ai l'impression qu'ils voient que vous êtes détendu par rapport à ça, en fait. Hein. C'est vraiment le message qui me vient, c'est que vos animaux de compagnie voient que vous êtes plus détendu par rapport à ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si les animaux de compagnie savent qu'il y a quelque chose de bien qui vont vous arriver et que ensuite vous allez revenir vers eux, là. Vous voyez, c'est peut-être des oiseaux aussi, ou peut-être des perruches que vous avez, hein, j'en sais rien. Hein. Ouais, c'est ça. Ils savent que c'est ça. Ils savent que vous êtes occupés, mais ils savent que vous tenez à eux en fait. Ils savent que vous tenez à eux et que vous allez, voilà, une fois que vous n'aurez plus la tête ailleurs, une fois que les choses vont s'éclairer pour vous, ils savent que vous allez revenir vers eux. Donc voilà, bah, c'était ce que j'avais en stock pour vous, mes amis béliers. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est comme si en fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'un déménagement? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'un déménagement? J'en sais rien, mais peut-être qu'ils sentent que peut-être que vous êtes sur le départ ou que. Comme s'il y a une grosse réalisation que vous êtes en train de faire, mes amis béliers. Voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous. Allez, les taureaux, on va voir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis taureaux. On va voir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis taureaux. Vos animaux de compagnie, les taureaux, pensent que vous êtes en ce moment très occupés. Que vous êtes très occupés, apparemment. Ouais, que vous êtes très occupés apparemment par l'argent. Ils vous voient très occupés. J'ai l'impression de voir une. C'est comme si en fait j'ai eu l'image d'une machine à billets en fait qui était en train de tourner là.
un peu là, et j'entends le mot gangsta shit. Donc peut-être que vos animaux de compagnie pensent que vous êtes des gangsters en fait. Hein, voilà, j'ai l'impression que vos animaux de compagnie seraient peut-être des animaux de compagnie gangsters. Vous voyez, genre des stray cats ou alors des chats de rue que vous nourrissez. Et puis, je sais pas, moi, ils viennent chez vous et puis ils voient que chez vous, y a complet arsenal, quoi. Et ils se demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie et ils trouvent ça alors je sais pas si c'est des animaux de compagnie ou alors si c'est des animaux que vous nourrissez ou des trucs errants et tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vos animaux de compagnie vous voient quand même quelqu'un comme un leader en fait. Et vous voient aussi comme quelqu'un de shady en fait. C'est comme si voilà, il y a un peu de ouais, c'est ça, gangsta shit. On a la justice in reverse, c'est ça. Ils vous voient un peu comme des personnes en fait qui parlent pas en fait, qui sont très et des personnes qu'il faut pas emmerder aussi. Et j'ai l'impression que vos animaux de compagnie, j'ai l'impression que ils ont énormément de respect pour vous. Hein. Ils vous voient vraiment comme une personne froide, j'allais dire presque sanguinaire et importante. Et vous en fait, c'est ça. Vous, j'ai l'impression que c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment vos animaux de compagnie, mais que vous avez beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour eux, et que vous n'êtes pas attaché à eux, mais que vous les nourrissez. Ça peut être exactement, ça peut être des chats ou des chiens qui sont dans la rue ou des animaux. C'est-à-dire, vous n'avez pas quelqu'un. Par exemple, si vous habitez dans un immeuble, vous n'avez pas de chat, mais s'il y a des chats errants, bah, vous les nourrissez, vous entretenez ça avec vous, ou alors des pigeons ou quoi que ce soit, mais c'est ça en fait. Mais vous êtes quand même attaché à eux. Hein. Vous êtes quand même attaché à eux, mais vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas de responsabilité par rapport à eux, en fait, c'est ça. En fait, ce qu'ils voient, c'est qu'ils vous nourrissent, mais ils savent que du moment à un autre, vous pouvez bouger ou faire autre chose, ou je sais pas, j'entends le mot partir en mission. Vous êtes peut-être des soldats des forces spéciales et que de temps en temps, eh ben, vous devez partir parce que vous avez un conflit à régler, je sais pas, à l'autre bout de la planète. On vous appelle pour une mission, vous avez un truc urgent à faire, et du coup, vous partez, et ils savent, ben, si vous n'êtes pas là, en fait, ce n'est pas les autres personnes, en fait, qui s'occupent du bâtiment et tout ça qui vont les nourrir, en fait. Et j'ai l'impression que quand vous partez en mission, si vous êtes un soldat, ou alors, j'allais dire, un mercenaire, ou peu importe ce que vous faites, moi, je ne vous juge pas, mais j'ai l'impression qu'en mission, vous pensez à eux, des fois, vous vous dites, putain, je me demande, est-ce qu'ils vont bien sans moi et tout ça, mais que vous ne voulez pas être attaché à vos animaux de compagnie, et eux, ils sentent que vous êtes froid, mais ils vous aiment. Vous voyez, regardez comme ce papillon en fait qui vient se blottir un peu là. C'est comme si vous étiez. J'entends le mot tueur. J'aime pas ça, mais c'est comme si vous étiez. C'est comme si en fait. Putain, c'est comme si en fait vous étiez un peu dans une mission de vie et que peut-être que vous avez plus foi en les animaux qu'en l'espèce humaine. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un lien fort en fait qui a été créé, mais c'est aussi un lien de respect en fait qu'il y a avec vos animaux et. J'ai l'impression que vos animaux sentent que vous êtes contrarié, que vous êtes, enfin qu'il y a, il y a une grande perturbation à l'intérieur de vous et tout ça, mais que j'ai l'impression que vos animaux de compagnie vous voient résigné par rapport à la vie. Et les animaux sont très sensitifs, donc ils sentent un peu une résignation, une sorte, mais ils voient que vous êtes des bonnes personnes puisque vous les nourrissez. Et aussi, les guides me disent que vous achetez aussi des produits qui coûtent beaucoup. Des fois, peut-être vous achetez, par exemple, vous passez au supermarché, vous n'avez personne dans votre vie, alors vous achetez, par exemple, des croquettes, pas des croquettes, vous achetez, par exemple, des mets, en fait, des trucs pour les chats, vraiment, ou alors des super bonnes croquettes, où vous leur amenez, par exemple, des os, ou de la moelle, un os à moelle, ou carrément, vous leur amenez de la viande, ou vous préparez des plats, ou vous leur amenez des bons trucs, tu vois. Je sais pas si vous leur filez du saumon ou quoi, mais j'ai l'impression que. Ça a l'air d'être plutôt des bons aliments. Mais je vois plutôt des chats, des trucs comme ça, ou peut-être même des animaux dans la forêt, des trucs comme ça que vous nourrissez. S'il y a une forêt à côté de vous avec des ours ou un truc comme ça, vous entretenez quelque chose avec eux, mais ces animaux ne vous appartiennent pas. Mais il y a vraiment une grosse connexion avec eux et c'est ça qui vous permet de trouver la paix peut-être avant de repartir en mission ou quelque chose comme ça. Parce que quelque chose me dit que. Ou peut-être que vous faites des trucs qui sont pas des métiers répertoriés à Pôle emploi. Enfin, je veux dire, peut-être que vous êtes, j'en sais rien ce que vous êtes. Je vous juge pas, mais en tout cas, bon, voilà, c'est ce que. Voilà, bon, bref. Ok, les taureaux, c'est fini pour vous. Les gems, on va voir comment vos animaux de compagnie vous voient, les gems. On va voir comment les animaux de compagnie vous voient, les gems. Comment vos animaux de compagnie vous voient, les gémeaux. Comment vos animaux de compagnie vous voient, les gémeaux. Comment vos animaux de compagnie vous voient, les James? Comment vos animaux de compagnie vous voient, les James? Ah, les James, comment vos animaux de compagnie vous voient?
J'entends Taiwanese right snake. Donc c'est peut-être des animaux à sang-froid que vous avez les gems. Peut-être qu'il y en a un parmi vous qui a des serpents ou des reptiles ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression que vos animaux vous aiment beaucoup parce que apparemment, ce auraient été des animaux qui auraient été abandonnés, peut-être à plusieurs reprises et que vous avez et que vous partagez énormément de choses avec eux, mais ils ont l'impression que vous leur dites pas une vérité, que vous leur dites pas une vérité ou que vous leur cachez une tristesse ou quelque. Vos animaux vous voient tout le temps triste en fait. Et vous aimez vraiment votre animal, mais en effet, hein, vous cachez quelque chose à votre animal. Hein. Vous l'aimez, mais vous lui cachez quelque chose. Vous lui dites pas une vérité sur quelqu'un ou sur quelque chose que vous connaissez. En fait, et vous avez du mal à. Peut-être que vous avez pris, vous vous êtes rentré en contact d'un animal qui était un animal blessé parce que vous aussi vous étiez blessé. En fait, ce que vous ne voulez pas dire à votre animal, c'est que vous avez envie de partir, vous avez envie de faire quelque chose, en fait. Vous avez envie de sortir de la tristesse. Peut-être ce que vous ne dites pas à votre animal, c'est que vous avez un amoureux ou une amourette secrète. Et l'animal, en fait, c'est marrant, c'est comme si votre animal était capable de sentir que vous aviez quelqu'un dans votre vie, que vous étiez séparé avec cette personne. Votre animal voit que vous êtes en souffrance et que. Vous essayez de vous détacher de votre souffrance, mais que ça ne marche pas en fait. Et vous, j'ai l'impression que votre animal, c'est un petit peu ce qui vous sauve, c'est un petit peu ce qui vous permet de vous sentir. Et vous êtes en train de vous demander d'ailleurs si peut-être. Alors, les guides me disent que vous voudriez peut-être partir à l'étranger, mais que vous ne savez pas. Que si vous partez, en tout cas, vous ne savez pas, parce que vous voudriez. Vous ne savez pas si vous pouvez emmener votre animal avec vous, mais en même temps. Vous ne voulez pas l'abandonner parce que c'est un animal qui a déjà été abandonné. Et votre animal, il vous aime vraiment beaucoup. Hein. Il vous aime vraiment beaucoup et vous êtes vraiment sa lumière. Et il n'a pas envie que vous partiez. Et il sent que vous êtes triste et que vous voulez. Votre animal, il sent que vous êtes triste. Hein. Il sent que vous êtes triste. Et il sent que vous êtes tracassé et que vous êtes triste en ce moment. Et que vous gardez vos sentiments pour vous, les James. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais. Et je peux clarifier peut-être le Two of Cups in Reverse. Je clarifie le Two of Cups in Reverse parce que j'ai l'impression que. Que votre animal, que alors on me dit que c'est peut-être un serpent ou un chien qui a été abandonné ou un serpent qui par exemple se met autour de votre cou et sent que qui arrive à sentir les pulsations de votre cœur en fait et qui sent que vous êtes vraiment très triste par rapport à ça. Les guides me disent aussi que ça peut être aussi pour les béliers. Ils me disent qu'en fait les animaux pour les béliers c'est peut-être aussi on parle d'un iguane ou d'un serpent. Enfin, c'est vraiment le truc que j'ai, quoi. Alors, les gems, c'est exactement ça. Hein. Votre animal, il pense que vous n'avez pas de fric en ce moment et que c'est difficile pour vous au niveau du professionnel. Et en plus, il a l'impression que vous ne lui dites pas des choses que vous. Donc, ça vient me dire que vous êtes très, 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 très secret, mes amis, les gems. Et votre animal vous voit contemplatif de quelque chose. Contemplatif de quelque chose. Votre animal, en fait, vous voit dans un certain milieu, il vous voit vous présenter à des tonnes de gens, mais il sent que vous n'êtes pas connecté avec ces personnes-là. Hein. Vos animaux, ils vous sentent vraiment. Allez, on va passer au cancer. On va savoir ce que votre animal de compagnie pense de vous, les cancers. On va savoir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, les cancers. On va savoir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, les cancers. On va savoir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis cancers. Ils sont vraiment très intuitifs, les animaux. Ils sont vraiment très intuitifs. Vos animaux de compagnie, regarde, c'est marrant parce que je vois comme une espèce de tarentule là. Donc vous pourriez peut-être avoir des. Vos animaux de compagnie vous sentent que vous êtes. Que vous avez un gros smile devant tout le monde, que vous avez l'air heureux, mais que vous vous sentez très triste à l'intérieur. Et vos animaux de compagnie aussi pensent que. J'entends fake it until you make it. Pensent que vous montrez à tout le monde que vous êtes bien, que vous avez de l'argent et tout, et que ce n'est pas forcément le cas. Mais. Et vos animaux de compagnie s'inquiètent vraiment pour vous en fait. Et j'ai l'impression que vos animaux de compagnie pensent que vous êtes flemmard et que vous devriez vous mettre grandement à bouger, en fait, à sortir. Et vous, j'ai l'impression que... Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression que... D'accord. Alors, ok, bon, ok, bougez pas. Alors, okay. Alors j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas avec votre animal de compagnie. Ça vient me dire que vous avez été séparé d'un animal de compagnie ou alors c'est un animal totem ou alors c'est un spirit animal qui veille sur vous
depuis l'au-delà que vous avez connu dans votre enfance. Mais apparemment, en fait, il y a un animal qui se sent trahi parce que, en fait, il se sent pas trahi parce qu'il vous a déjà pardonné. Mais il sent que vous étiez très lié à lui et que le destin vous a arraché. Il vous a jamais oublié. Il vous a jamais oublié, en fait. Il vous a toujours gardé, en fait, dans un coin. Il vous a jamais. J'ai entendu comme des pas de chien, là, c'est incroyable. Il vous a toujours attendu un peu comme dans un coin. C'est comme s'il y avait un animal qui était loin de vous et qui pensait à vous. Et vous, vous vous demandez justement si cet animal va bien, si tout s'est bien passé. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous imaginer, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, il va bien, en fait, il va bien. C'est exactement ça. C'est peut-être un animal qui est décédé et qui pense beaucoup à vous. Et vous, vous l'avez jamais oublié, cet animal. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça. Hein. C'est un animal, en fait, qui s'est séparé. Et maintenant, vous êtes liés énergétiquement. C'est-à-dire que soit c'est un animal qui est mort, soit vous êtes séparés. Et cet animal, il pense à vous. Il pense énormément à vous. J'entends le mot kouros. Donc, je ne sais pas, vous me mettrez en commentaire. Et ça vient me dire que alors, j'ai l'impression que cet animal, il a envie de vous guider, en fait, à vouloir être plus fort, à avancer de la vie, à vouloir avoir des coronets, à vouloir avancer, à vouloir être fort, parce que cet animal, il voit que vous êtes blessé. Cet animal, ou ce spirit-là, il y a un spirit animal qui a envie que vous repreniez en main. C'est comme si, en fait, cet animal vous avait envoyé des leçons depuis l'au-delà parce qu'il voulait que vous deveniez puissant. J'entends le garçon et la bête, en fait. Le garçon et la bête, ce manga, en fait. Kumatetsu Akuta, l'épée avec le cœur. J'ai l'impression que cet animal, que ce spirit animal, en fait, vous pense que vous allez vous retrouver un jour ou que. Il s'inquiète pour vous, en fait. Il se demande si vous vous êtes réalisé et tout ça. Et il a envie de vous voir bouger, il a envie de vous voir grandir, il a envie de vous voir réveiller, en tout cas. Il a envie de vous voir faire les bons choix, il a envie de vous voir être fort. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, votre animal, il se disait réveille-toi, quoi, réveille-toi. C'est comme s'il vous voit donner de l'amour à quelque chose ou à quelqu'un et qu'il n'y a pas de retour et que votre animal voudrait que vous ayez de l'amour inconditionnel, que vous puissiez pardonner, que vous puissiez avancer. Hein. Ouais, excusez-moi pour ça, il fallait que je recompte les cartes parce que les guides m'ont dit compte tes cartes là. Ça veut dire qu'il y en a une qui est. Bon, je couperai peut-être pour la vidéo, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Ben non, c'est bon, tout est là. Il y a 83 cartes dans ce jeu. Il y a 83 cartes dans ce jeu. Il y a 83 cartes dans ce jeu. Je vais vérifier, mais je crois que c'est bien ça. Hein. C'est ça. C'est ça, il y a 83 cartes. Donc, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas, les cancers. Bon, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que votre animal de compagnie, en fait, il veut que.
Pourquoi est-ce que j'ai recompté les cartes là? 83 cartes. Peut-être que 83, ça vous dit quelque chose. Peut-être 8, 11, peut-être le changement, je sais pas. Ah, alors peut-être que. Ah, d'accord. Alors peut-être que vous êtes toujours en train de ressasser le passé ou de recompter quelque chose ou être sûr de vouloir être sûr de quelque chose. Ou vous m'avez. En fait, cet animal spirit pense que vous êtes tracassé par rapport. Et on vous dit que. Ah, voilà, c'est ça. Votre animal voit que vous êtes tracassé ou sent que vous êtes tracassé par quelque chose. D'accord? Mais on vous demande d'arrêter de vous tracasser parce que tout est normal. Tout est OK. On vous dit que tout est normal, que tout est OK. Et d'avancer. Voilà, c'est ça. C'est ça le message. C'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes constamment en train de vous inquiéter de quelque chose qui n'a pas lieu puisque tout est absolument normal. Et que tout. Voilà. Et ça, votre animal de compagnie, c'est ce que ce message, il voulait vous passer depuis l'au-delà, si jamais vous vous êtes séparés. Voilà les cancers. C'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un animal qui veille sur vous là. Allez, on va passer au lion. On va passer au lion. Alors, j'ai l'impression que votre animal de compagnie, les lions, j'ai l'impression que votre animal de compagnie veut que vous puissiez vous bouger. Votre animal de compagnie voudrait que vous puissiez passer à l'action. J'ai l'impression qu'il vous voit en dispute avec la famille. Il vous voit faire des trucs aussi un peu, vous voyez ce que je veux dire, le soir, hein, quand vous êtes seul dans votre lit, là. Et des fois, votre animal de compagnie se dit, en fait, ils ressentent beaucoup de choses. Ils se disent que vous pourriez peut-être faire ça avec quelqu'un d'autre plutôt que de le faire tout seul. Je sais pas, j'ai l'impression que vos animaux de compagnie vous voient un peu tourmentés en ce moment, mes amis les lions, mais par contre, ils sont extrêmement très attachés à vous. J'ai l'impression qu'ils sont extrêmement attachés à vous énergétiquement. Ils se sentent vraiment. Ils se rappellent des jours heureux, en fait. On vient me dire, les guides me disent, ils se rappellent des jours heureux, vos animaux de compagnie, en fait, les lions. Et en fait, ils sont malheureux parce que vous êtes malheureux, en fait. Donc, ils sont malheureux parce que vous êtes malheureux. Vous voyez, ils ont ça, en fait. Et justement, vos animaux de compagnie voudraient que vous puissiez sortir de là en ce moment. Et eux, ils sont malheureux parce qu'ils sont malheureux. Ils se rappellent, en fait, avant, quand. Ils se rappellent deux petits quand vous étiez en train de leur raconter des belles histoires, en train de les. Et maintenant, ils voient que vous êtes malheureux et que vous n'avez plus le temps. Et ils aimeraient bien venir vous faire des câlins, en fait, comme vous leur avez fait des câlins, mais ils n'arrivent pas à vous approcher tellement ils sentent que vous êtes malheureux. Et vous avez énormément d'amour et énormément de respect pour vos animaux. Et j'ai l'impression que votre cœur est blessé en ce moment parce que justement, vous ne vous sentez pas capable de vous occuper d'eux, votre cœur n'est pas. Mais que. J'ai l'impression qu'ils sont là pour vous, qu'ils sont là pour vous, qui connaissent vos rêves en fait. Et c'est exactement ce que j'ai dit au début du reading en fait. Vos animaux savent qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné en fait. Et c'est un couple empereur-impresse en fait. Et que vous pourriez fonder une famille et tout ça, mais vos animaux voient que vous n'arrivez pas à vous décider en fait. Ils savent que vous avez de la passion pour quelqu'un, que vous voulez avancer et tout ça, mais ils voient que vous n'arrivez pas à vous décider. C'est vraiment. Et vos animaux en fait, ils aimeraient plus vous voir dans cette situation. Et eux, ils se sentent malheureux parce que. Parce qu'ils voient que vous êtes malheureux, mes amis, le lion. C'est comme ça que je les vois en ce moment. Donc, passez un peu plus de temps avec vos animaux en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos animaux vous aiment. Mais qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils pourraient faire pour vous faire sortir de cette tristesse, en fait. Mais si, par exemple, c'est des chiens et tout, et que vous aviez quelqu'un ou votre autre dans la rue, je suis sûr qu'ils iraient s'enrouler avec la laisse autour de l'autre pour le ramener vers vous. Ils voudraient vous filer un coup de main, en fait. Si vos animaux pouvaient téléphoner, je pense qu'ils téléphoneraient pour vous, en fait. Ils essayent de vous montrer l'exemple. Dans leur amour inconditionnel, ils essayent de vous montrer l'exemple, à savoir pas d'ego et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une grande leçon que vous pourriez tirer de vos animaux en ce moment, mes amis les lions. C'est vraiment ça que je vois. Allez, vierge, on va aller faire les vierges. J'ai entendu le mot onyx pour les lions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai entendu onyx.
Allez les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les vierges. Allez les vierges, on va voir ce que votre animal de compagnie. J'entends le mot cow-boy, mais ça je sais c'est qui cow-boy. Mais ça m'est venu direct comme ça. Allez les vierges, on va voir ce que votre animal de compagnie pense de vous. Votre animal de compagnie vous voit seul, les vierges. Votre animal de compagnie vous voit seul en ce moment. Vous voit seul en ce moment. Et votre animal de compagnie aussi vous voit froid en ce moment. Et votre animal de compagnie vous voit aussi occupé, mais se sent. Alors il sait que vous tenez énormément à lui, par contre. Hein. Et vous tenez énormément à votre animal de compagnie. Et vous feriez tout pour pouvoir le. Vous pourriez tuer pour votre animal de compagnie. Et c'est un peu comme votre bébé. Et vous pourriez le défendre. Et par contre, lui, il vous voit seul et il vous voit tourmenté. Et c'est comme si j'ai vraiment l'impression qu'il vous voit seul en ce moment. Il voit aussi que vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent et que vous ne communiquez pas ça. Et votre animal de compagnie, il voit que vous ne parlez pas, que vous êtes renfermé sur vous-même et que vous ne dites rien. Mais par contre, vous vous occupez extrêmement bien de lui et. Il a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Votre animal de compagnie, vous êtes un peu comme son sauveur. Vous êtes un peu comme son soleil. Vous êtes tout. Et j'entends le mot deuxième vie. C'est comme si vous lui avez offert une deuxième vie. Donc, c'est certainement aussi un animal qui a été. Excusez-moi pour le mot cow-boy, hein, mais c'était obligé de venir. Mais c'est pas. Mais c'est vraiment ce que je vois en plus, hein. C'est vraiment ce que je vois. Je vois vraiment, c'est ça en fait, cowboy, c'est vraiment solitaire. J'ai l'impression que si vous avez un animal, c'est un animal solitaire en fait. C'est pas. Vous avez adopté un animal qui n'était pas vraiment censé être adopté, mes amis les vierges. Mais en tout cas, il vous voit vraiment seul, il vous voit comme si vous étiez en ce moment en recherche de quelque chose. Hein. Ouais, il vous voit avec le cœur blessé. Hein. Il vous voit avec le cœur blessé et il aimerait bien que les choses puissent s'améliorer pour vous. Et j'ai l'impression que c'est une tristesse tellement grande que ça empiète un peu sur lui, en fait. Donc, peut-être que vous devriez faire des efforts un peu pour sortir et tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment. C'est comme si, en fait, votre animal. Et en plus, comme vous vous sentez seul, les vierges, j'ai l'impression que les animaux, ils ressentent vraiment cette tristesse, en fait, quand vous le prenez dans vos bras et tout. Et j'ai l'impression que ça pèse un peu sur le dos de votre animal, les vierges. Allez, balance, balance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les balances. Les balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ce que l'univers a en stock pour vous. Je suis désolé, je reviens vers vous les balances. Hein. J'arrive. Allô, ma reine? Oui, excuse-moi, je faisais le reading des vierges, là je pensais à toi, ça va?
Ok. On se donne un rendez-vous pour. Tu vas te coucher à quelle heure ce soir, toi? Parce que là, je suis encore vierge, j'ai encore quelques signes à faire, il faut que je fasse le montage. On mange ensemble demain? Là, l'ail est sec, là. On mange ensemble demain, si tu veux. Non, mais si tu me dis ce soir, je viens ce soir, sinon demain, comme tu veux. Ok, bah allez, je termine le reading, j'arrive tout à l'heure, je ferai le montage après, ok? Allez, bisous. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, les balances, c'est parti les balances. Allez, les balances, c'est parti les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances. D'accord. Alors, les balances, votre animal de compagnie, il vous voit rigide, froid comme la glace, enfin, il vous voit très autoritaire. Et ça, j'ai l'impression qu'il vous voit très autoritaire et il vous voit comme si vous étiez. J'ai l'impression que vos animaux, en fait, ils vous voient, ils pensent que vous. Bah, que, bah, il voit que vous n'avez pas le temps. Il vous voit un peu comme un grand patron du 440. Et j'ai l'impression qu'il vous fout un peu la gueule en ce moment et qu'il pourrait vous mordre si jamais vous le rapprochez un peu trop près. Et ils ne vous disent pas les sentiments et tout ça. Et vous, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'avez tout simplement pas le temps pour vous occuper d'eux. Enfin, vous les aimez et tout ça, mais j'ai l'impression que en ce moment, vous les évitez en fait. Vous les évitez et c'est ce qui fait que bah, la relation avec vos animaux de compagnie, elle n'est pas top en ce moment. On vous demande de passer un petit peu de temps avec vos animaux de compagnie, les balances, parce que je pense qu'ils ont. Parce que là, vraiment, il y aurait vraiment besoin de ces critiques, quoi. Il y aurait vraiment besoin de passer un peu de temps avec eux. Et vous voudriez en fait passer du temps avec eux, mais vous vous dites que vous n'avez pas le temps en ce moment parce que vous êtes surchargé, mais trouvez le temps. Trouvez le temps, mes amis balances, parce que eux, ils sont en train de vous faire la gueule et ils sont en train de lâcher prise, ils sont en train de se dire. Enfin bon, il y a du laisser aller, là, les balances, hein, quoi. Occupez-vous de vos animaux de compagnie parce que regardez là en ce moment c'est pas terrible hein, c'est pas terrible et essayez de et si vous avez des oies les oies elles se disent que peut-être elles vont bientôt passer à la casserole là. Vous allez me dire c'était vraiment un reading de merde pour vous les balances mais au moins on s'est bien marré mais vos animaux de compagnie vous font la gueule hein, ça c'est clair et net hein. Donc si c'est des hamsters j'entends le mot hamster sortez-le un peu de leur cage. Donnez-leur à bouffer, passez du temps avec eux, mes amis Balance. Enfin, un peu, je ne sais pas ce que c'est, mais passez du temps avec eux. Allez, Scorpion, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Scorpion. C'était rapidos, les balances. Hein. Allez les scorpions. On va voir ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis scorpions. Ok, alors ben, vos animaux de compagnie voient que vous êtes en train de vous prendre la tête et ils aimeraient bien que tout ça. J'ai l'impression que vos animaux de compagnie aimeraient que vous alliez faire un tour chez le psy, mais en tout cas, vos animaux de compagnie vous aiment beaucoup, hein. Si jamais vous décidez de changer d'endroit et de partir, ils se demandent si jamais vous allez les emmener avec eux. Donc j'espère que vous n'allez pas vous barrer et les laisser derrière les scorpions, mais en tout cas, j'ai l'impression que. J'ai l'impression que vos animaux, ils vous voient en train de tourner en rond, ils vous voient en train de vous prendre la tête en ce moment, mes amis scorpions. En ce moment, ouais, ça pourrait vraiment me dire que vos animaux vous voient comme si vous étiez vraiment. Mais bon, ils pensent que c'est passager, ils savent que vous les aimez et que vous tenez à eux, mais qu'en ce moment, c'est difficile. Vos animaux vous voient triste et je pense qu'ils savent que c'est par rapport à une rupture, par rapport avec une personne. Donc vos animaux vous voient en peine de cœur, en fait.
Vos animaux vous voient en peine de cœur, c'est exactement ça. Vos animaux, ils vous voient comme ça en fait. Ils vous voient vraiment en mode Six of Swords, en mode vous aimeriez aller mieux, mais vous n'allez pas mieux, les scorpions. Donc vos animaux, j'ai l'impression qu'ils ont pitié de vous en fait. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai l'impression que vos animaux, ils ont un petit peu, ils se disent. Ils sont un peu inquiets en ce moment, hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ils voient que vous attendez des communications et que ces communications ne viennent pas. Et vos animaux, ils se disent que vous devriez laisser tomber et arrêter d'être dans cette position du 901, d'arrêter d'être en mode grumpy, en mode grognard, et que vous devriez passer à autre chose. Et vos animaux, en fait, ils ont l'impression que vous avez fait des cartons, que vous vous apprêtez à partir quelque part, que vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous ne faites pas le prochain move. Et les animaux, et ils se disent, putain, quand est-ce qu'on va s'arracher de là? Voilà ce qu'ils pensent les animaux en ce moment, mes amis scorpions. Allez, on va aller voir les Sagittaires. Qu'est-ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que vos animaux de compagnie pensent de vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que vos amis de compagnie pensent de vous, mes amis Sagittaires? Vos animaux de compagnie pensent que vous les avez séquestrés, que vous ne les aimez plus, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer. Et d'aller chez le voisin. Ils vous aiment plus, vos amis. Ils ont envie de s'arracher. Ils ont envie de partir. C'est peut-être des oiseaux, mais ils aimeraient bien se barrer. Et vous, j'ai l'impression que. Et vous, j'ai l'impression que vous savez qu'ils sont. J'ai l'impression que vous voyez vos animaux comme étant grumpy. Comme si ils étaient, j'allais dire, c'était des animaux gâtés qui n'étaient jamais satisfaits. Et vous vous dites que c'était comme des enfants. Mal éduqués, enfants gâtés pourris, que vous avez. Mais c'est marrant, c'est comme si en fait vous étiez en train de vous prendre la tête en ce moment. Regardez, vous êtes là, vous êtes en train de regarder quelque chose, et là il y a votre animal de compagnie qui vous dit quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il en a marre en fait. Vos animaux de compagnie vous voient en dépression et ils en ont marre en fait. Ils en ont marre que vous soyez dans cet état en fait. Ils voudraient que vous puissiez prendre une. J'ai l'impression que vous êtes en train de leur prendre la tête en fait à vos animaux de compagnie. Et vos animaux de compagnie vous voient que vous êtes blessé et tout ça. Et ils aimeraient que vous puissiez sortir de là. Et ils se disent, putain, quand est-ce que le Sagittaire va sortir de là? Et bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une petite prise de tête avec vos animaux de compagnie, les Sagittaires. Et eux, ils vous voient un peu comme si vous ne vous occupez pas d'eux. Et vous, en ce moment, vous avez autre chose à foutre. Et bon, c'est un petit peu le. La guéguerre. J'ai l'impression que c'est. Vous savez, des fois, les animaux, ils font peut-être des petites crises d'adolescence ou des petits machins. J'ai l'impression qu'ils sont en train de vous faire du genre. Et puis, ou alors, ils sont là, ils font la gueule, ou ils font. Quand il y a des amis à vous qui viennent à la maison, ils font genre, ils sont traumatisés, ils se mettent dans un coin. Par exemple, il y a un ami, il vient, il fait hey, il est sympa ton chien. Et puis, le chien va faire. Et là, l'ami va se dire putain, mais il fait quoi, mon pote, là, il bat son chien, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'ils vous font des coups de crasse comme ça pour vous faire payer en fait le fait que vous vous occupez pas de vous. Et peut-être que. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça. J'ai l'impression que vos animaux de compagnie, c'est comme si en fait ils étaient en train de vous dire j'ai envie de me barrer, tu t'occupes pas de moi, j'ai envie de me barrer. Et vous êtes là, genre, mais tu vois pas que c'est pas le moment ou quoi. C'est vraiment ce que je vois, c'est ce qui se passe, quoi. Ok, mes amis Sagittaires. Allez, Capricorne, on va voir comment vous voient vos animaux de compagnie, mes amis Capricorne. Mais Capricorne, j'entends le mot joy, bien entendu. Bien entendu, ça m'est venu direct. Mais j'entends aussi pépite, d'accord. Allez, les Capicaps, on va voir comment est-ce que vos animaux de compagnie vous voient. Et il vous voit renfermé sur vous-même en ce moment. Il vous voit renfermé sur vous-même en ce moment. Et ce qui pourrait potentiellement.
Ils rentrent en... Ouais. Ils vous voient renfermés sur vous-mêmes. Ils vous voient... Hey, j'ai l'impression que vos animaux... J'ai l'impression que les Capricornes, en ce moment, ils sont en train de faire une petite baisse de régime, là. Ouais, ils se sentent blessés. Ils se sentent blessés parce que... J'ai l'impression que vos animaux, en fait, sentent que vous êtes sur un nouveau départ, en fait, que j'ai l'impression que vos animaux voient que vous faites vraiment énormément beaucoup de choses pour vous dépatouiller dans la vie, pour vous en sortir. Et ça, en fait, comme ils sont très proches de vous, ils sentent que c'est difficile pour eux, en fait. Vous voyez? Ils se sentent pas abandonnés, mais ils sentent que c'est difficile pour vous. Et j'ai l'impression ils aimeraient repartir en arrière. Vos animaux voudraient que vous repartiez avec votre ex. C'est exactement ce que je vois. Ou alors que vous sortiez de la solitude une bonne fois pour toutes. Et vous avez énormément de contemplation, vous aimez vos animaux, ça c'est clair et net, hein. Et vous n'avez pas envie de... Et ça vient me dire que vous pourriez quasiment pas vivre en fait sans votre animal. C'est un peu comme si c'était le sabre du samouraï, que c'était un peu votre compagnon. Donc là je vois vraiment un compagnon de vie en fait. Comme si c'était vraiment la chose la plus importante, vous voyez. Mais là c'est in reverse, c'est comme si en fait... J'ai l'impression que vous culpabilisez les Capricornes parce que... Vous savez justement la grosse connexion que vous avez avec votre chien ou avec votre chat ou avec votre perruche, mais en tout cas... Et j'ai l'impression que vous voudriez peut-être partir, aller quelque part et que vous pouvez pas par rapport à lui ou votre animal, lui, il pense qu'il voudrait aller quelque part, mais qu'il peut pas par rapport à vous. Et j'ai l'impression que votre animal sait qu'il y a un chapitre que vous n'avez pas refermé là. Et lui, il aimerait que vous vous bougiez pour que vous puissiez passer à autre chose. Il savait pas comment vous le dire, mais il passe par moi pour vous le dire. Mais en fait, votre animal voudrait tout simplement que vous puissiez ouvrir votre cœur, que vous ne gardez pas vos sentiments pour vous, que vous puissiez rencontrer une belle histoire d'amour, une belle... Il voudrait que vous vous sabotiez pas, il voudrait que vous puissiez avancer vers une nouvelle histoire, en fait. C'est vraiment ça qu'il voudrait votre animal. Ok les Capricornes, on va faire les Verseaux maintenant. On va faire les Verseaux. En tout cas, grosse connexion avec votre animal, les Capricornes. Hein. C'est un peu... Allez les Verseaux. Allez les Verseaux, les Verseaux. Les Verseaux. J'entends Bernard et Bianca pour les Verseaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'entends Bernard et Bianca. Et je retire la carte du Hiérophante avec un gros hibou dessus qui ressemblait à un albatros. Donc c'est comme si en fait... C'était comme si en fait... J'ai l'impression que vos animaux voudraient partir à l'aventure avec vous. Genre par exemple si c'est des huskies ou quelque chose comme ça, ils voudraient se pouvoir se retirer du monde avec vous et ils voudraient que vous alliez faire une marche ensemble ou vivre quelque chose... où vous avez à partager ensemble comme vous le faisiez avant, mes amis Verseau. Parce que j'ai l'impression que vos animaux voudraient que vous puissiez reprendre le poil de la bête et que vos animaux vous voient en fait, voient comme si, y avait du laisser-aller et ils se rappellent du temps où vous alliez passer du temps ensemble. Et là, en fait, ils voient comme s'il y avait du laisser-aller, mes amis Verseau. En tout cas, et j'ai l'impression que vos animaux, ils ont envie d'être dressés, en fait. Ils ont envie de faire du dressage, du parcours et tout ça, en fait. Ils aimeraient bien passer à une autre étape. J'entends le mot évolution. Ou alors, ils aimeraient bien... Et vous, justement, vous aimeriez aussi passer à une évolution, mais c'est une évolution qui ne vient pas. Et vous, il y a un gros déséquilibre en ce moment. J'ai l'impression que en ce moment, vous voudriez vous occuper plus de vos animaux aussi, les amis Verseau. Vous pensez qu'il n'y a pas... Vous pensez peut-être qu'ils n'ont pas une nourriture équilibrée ou alors j'ai l'impression que eux ils voudraient manger quelque chose de bon en fait vos amis vos animaux ils voudraient manger quelque chose avec de la passion et ils aiment pas la bouffe dégueulasse que vous leur donnez à bouffer en fait c'est exactement ça donc si vous voyez que vos animaux ils mangent plus trop en ce moment les Verseaux c'est que ils ont vraiment envie et ils voudraient faire de l'exercice avec vous et ils voudraient pas que vous les foutiez à la diète quoi ils sont en train de vous dire que c'est pas des animaux de compétition que eux ils voudraient être dressés faire des trucs et tout mais ils voudraient le faire avec vous pour le fun et ils ont pas envie d'être des animaux de foire. Et j'ai l'impression que vos animaux vous voient aussi comme des grands. Ils aiment bien en fait, c'est ça, ils aiment être dressés, ils aiment bien quand vous leur apprenez des choses. Quand vous leur apprenez des choses et qu'il y a une synergie en fait. Et j'ai l'impression qu'en ce moment vous gardez beaucoup les choses pour vous et que vous ne faites plus d'efforts et les animaux, ils voudraient reprendre en fait leur apprentissage. J'entends le mot apprentissage. Et en fait, j'ai l'impression que vos animaux voudraient passer à un stade de connexion supérieure avec vous. C'est-à-dire qu'ils aimeraient en fait se faire reconnaître, ils aimeraient que vous fassiez quelque chose ensemble, que
que vous puissiez vous faire voir ensemble. Donc c'est peut-être un tour de magie que vous faisiez avec vos animaux avant, ou que vous faisiez peut-être des vidéos avec vos animaux et que vous avez arrêté, ou tout simplement peut-être qu'avant il y avait quelque chose que vous faisiez ensemble et il voudrait que vous puissiez reprendre ça. Et il voudrait aussi que vous sortiez aussi de votre tristesse. Et j'ai l'impression que vos animaux sont en train de vous soutenir en ce moment. Vos animaux sont en train de vous soutenir et qu'ils sont là pour vous. Et ils aimeraient qu'au bout d'un moment, que vous puissiez, que vous puissiez reprendre un peu le rôle du maître. C'est exactement ça, mes amis Verseau. Vos animaux voudraient que vous puissiez reprendre le rôle du maître. Parce qu'ils en ont marre d'être là pour vous et de vous materner, en fait. Je ne sais pas quel genre d'animal de compagnie vous avez, mais j'ai l'impression qu'ils en ont marre de vous materner. Allez, on termine avec les poissons. On termine avec les poissons, mes amis. On termine avec les poissons. On termine avec les poissons. On termine avec les poissons. Allez, on termine avec les poissons. Vos animaux vous voient en peine de cœur depuis trop longtemps. Et ils en ont marre, en fait. J'ai l'impression que si vos animaux avaient un sabre, ils aimeraient vous trancher là. Vous ressaisir et que vous puissiez avancer. Et vos animaux se disent... ils se disent... En fait, j'ai l'impression que vos animaux voient le potentiel que vous avez en vous. Et vous, j'ai l'impression que vous vous en foutez de vos animaux, en fait. Vous pensez qu'ils y comprennent rien à rien et que... Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, les poissons, que vous savez que vous pouvez rien cacher à vos animaux, en fait. Et vous savez qu'en ce moment, vous n'êtes pas capable de leur rendre, en fait, l'amour affectif qu'ils sont en train de vous donner. Mais vos animaux sont extrêmement attachés à vous et ils vous aiment. Ils vous aiment énormément et ils aimeraient que vous puissiez sortir de votre tristesse, en fait. Et vos animaux voudraient que vous ne reveniez pas en arrière. Vos animaux, j'entends le mot « acte manqué ». Que ce soit en affaires et tout ça, apparemment il y a un truc et vos animaux vous disent passe à autre chose. Regardez, il y a un papillon là, papillon. En fait, vos animaux voudraient vraiment que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez laisser tomber les regrets, que vous puissiez enfin vous réveiller et que vous puissiez enfin être heureux et heureuse. Et ils aimeraient aussi vous voir réaliser. Ils voudraient vous voir bosser parce qu'il y avait le Knight of Pentacles. Donc apparemment, il y a eu un acte manqué et vos animaux, ils aimeraient vraiment que vous puissiez... avancer par rapport à ça, mes amis poissons. Et ils en ont marre de vous voir triste. Et vous, j'ai l'impression que vous culpabilisez parce que vous êtes vraiment très près de vos animaux, mes amis poissons. Et j'ai l'impression que vous savez que vos animaux savent tout de vous, mes amis poissons. Vous êtes intimement connectés avec vos émotions et tout ça. Mais là, vraiment, vos animaux, ils aimeraient vous voir sortir de votre tristesse. Ils aimeraient que vous puissiez... Vous ressaisir, en fait. Et j'ai l'impression que si vous avez des chats ou des trucs comme ça, ils seraient prêts même à vous griffer en vous disant « Réveille-toi un coup, là. Hein, » des petites griffes amicales en disant « Ou alors, s'ils vous mordent comme ça, c'est « Allez, reprends un peu du poil de la bête, là. » Vos animaux, en fait, ils pensent que vous êtes matérialiste, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous devriez abandonner le matériel et tout ça, que vous voulez revenir vers une histoire du passé, un truc, un acte manqué. Et vos animaux, ils savent, ils sentent dans l'air qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, là. Je ne sais pas pourquoi, mais les animaux, vous savez, d'instinct, ils sentent des choses, là. Et ils se disent que vos animaux, en fait, ils sentent dans l'air qu'il y a un gros mouvement qui va arriver pour vous et que ça va être le timing divin et qu'il y aura un gros changement. Donc, ils ne sont pas plus inquiets que ça, mais ils aimeraient que vous puissiez vous ressaisir justement pour ne pas avoir un deuxième acte manqué et que vous puissiez saisir l'occasion quand elle se présentera, mes amis poissons. C'est vraiment, vraiment ça que vos animaux voient pour vous en ce moment. Allez. Maintenant, je vais tirer un message, pas pour vos animaux, mais je vais tirer un message pour le collectif de Five Star. Donc maintenant, on laisse tomber les animaux et je tire vraiment quelque chose pour vous, mes amis poissons. Je remercie encore Karen de... Karen de... La créa de K. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je remercie encore Karen de l'éclat pour ce magnifique jeu qu'elle m'a offert. Et la créa de K. Et je remercie Karen pour ce jeu magnifique, sachant que je vais l'utiliser pour toutes mes guidances une fois que je me serai imprégné de ce jeu-là.
Donc voilà, je tire une dernière carte pour mon collectif. Et après, on va se dire au revoir, mes amis. Allez, boum, la gratitude, 20. Wouhou! La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Donc c'est top. Voilà mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Prenez soin de vous. Namasté. Merci encore à toi, Karine.